Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes très contents de vous accueillir. Il est midi, nous sommes à l'heure et il y a un petit soleil dehors. À propos de progrès, puisque c'est le sujet, j'avais écouté avec beaucoup d'attention et lu toutes les météos pour hier et aujourd'hui. Comme moi, peut-être beaucoup d'entre vous ont fait la même chose. Et on nous avait annoncé hier beaucoup de pluie et des vents terribles. Et aujourd'hui, aux premières gouttes de la matinée, je me suis souvenu qu'ils avaient annoncé qu'il ferait beau. Donc, je me suis dit que le progrès touchait tout le monde. Et qu'il y avait encore quelques pas à franchir pour la météo. Je dis ça très gentiment, je n'ai rien contre la météo, mais c'est amusant quand même de voir que deux erreurs en deux jours. Bon, ça va s'arranger. Euh, donc, nous avons... Nous avons Continuer, puisque nous sommes à la mi-temps de ces rencontres, nous allons continuer d'aller à la découverte de nouvelles personnes, de nouvelles idées, et d'essayer de, de mieux comprendre dans quel monde on vit et, si possible, d'avoir un ou deux aperçus de, du futur. Nous allons accueillir maintenant quelqu'un, justement, qui est une personne euh, très originale. C'est quelqu'un qui a une pensée à part sur beaucoup de, de choses. On aime, on n'aime pas, mais c'est quelqu'un qui n'aime pas les autoroutes où tout le monde va en même temps dans la même direction. Chaque fois qu'il y a une autoroute, il regarde s'il n'y a pas une route de côté euh, pour voir s'il n'y euh, a pas quelque chose à trouver d'autre que le chemin indiqué. Et donc c'est quelqu'un qui, euh, qui mérite vraiment d'être euh, écouté, entendu, parce que euh, voilà, il y a des scintillements et des, et, et des idées qui sont euh, toujours intéressantes. D'abord, c'est un très bon romancier, en plus d'un essayiste. C'est quelqu'un qui a écrit de très beaux romans, par exemple ceux qui ont lu Voleur de beauté. Je ne sais pas si certains l'ont lu dans la salle, mais c'était vraiment un beau livre. Qui, et il a été couronné par plusieurs prix pour ses romans. Et euh, il, fait, il a fait partie de ce groupe dans les années 70, milieu des années 70, jusqu'à la fin des années 80, qui s'appelait Les Nouveaux Philosophes. Donc on va voir ça avec lui. Il a été proche des mouvements gauchistes, et puis après. Euh, il a, été, il a eu plusieurs engagements, disons, civiques ou politiques, puisqu'il s'est prononcé au monde de l'ex-Yougoslavie, de la guerre d'ex-Yougoslavie. Et ensuite, il a soutenu les attaques américaines de Bush en Irak. Et il s'est prononcé pour la candidature de Nicolas Sarkozy en 2007. Donc c'est un homme de paradoxe qui déteste les modes. Et c'est le contraire d'un donneur de leçons. Donc nous aurons avec nous un essayiste qui n'essaie pas de convaincre à tout prix, mais qui essaie de réfléchir au, au plus proche de ce qui est sa propre vérité à ses yeux. Et vous verrez, c'est assez intéressant et parfois même perturbant. Voilà, on va l'accueillir. La, outil. Hein ah oui, c'est vrai que la lumière euh, forte, forte, forte. On, a, on a, déjà aperçu hier. Alors, bonjour Pascal Brecler. Bonjour. Merci d'être là. C'est un grand plaisir d'être là avec vous tous. J'imagine qu'il y a du monde, mais je ne vois rien. <laughs> voilà. À, à l'intensité du rire, vous avez entendu qu'il y avait un peu de monde. Oui, oui, oui. Il y, a, il, y a quelques, il y a des gens derrière le premier rang, ne vous inquiétez pas. Vous voilà, croyez. <laughs> <laughs> oui. Comment vous êtes arrivé, euh, Pascal Bruckner, vous, voilà, aux idées, au maniement des idées, euh, au goût pour les idées euh... ben Ce n'est pas simplement un goût pour les idées, c'est un goût pour la littérature, pour la fiction et aussi pour la philosophie. Je pense qu'on s'oriente dans cette voie vers à la sortie de l'adolescence, ou peut-être même avant. Quand on n'est pas euh, satisfait des croyances que la société vous offre. Bon, il se trouve que moi j'étais chez les jésuites, bonne école. Bonne école, <laughs> oui, très bon, très bon pédagogue, ouais. et qu'assez vite avec des camarades on a monté un petit groupe d'athéisme. <laughs> et comme les jésuites étaient très intelligents, qu'ils qu connaissaient le maniement de la démocratie, ils nous ont donné un local et ils envoyaient un, un père. Euh, qui euh, dialoguait avec nous sur l'existence ou la non-existence de Dieu sur euh, les dogmes de l'église et c'était euh, après Vatican II donc quand même l'église avait fait son aggiornamento oui. Mais, euh, et donc je pense voilà, qu'on s'intéresse aux idées quand on n'accepte plus les réponses toutes faites que vous donnent vos parents euh, votre famille ou la société dans son ensemble et bon moi j'étais euh, à Lyon qui était une ville très bourgeoise au sens classique du terme, très conservatrice, où l'Église catholique une emprise, ouais. avait une emprise très importante. Et, euh, et on n'était pourtant qu'à trois ans de mai 68. Mais euh, donc, de toutes les idées qui venaient de Paris, euh, et à l'époque, le, le maître, c'était encore pour quelques années Jean-Paul Sartre, l'existentialiste. Les temps modernes, tout ça était très séduisant pour le petit provincial qui euh, essayait désespérément de sortir de son milieu. Vous étiez euh, politiquement très à gauche à ce moment-là Ah oui, J'étais nulle part, non, non. Non, quand même, vous étiez proche des... des... Oui, enfin, euh, je, je, je n'étais inscrit nulle part, c'est pas ce que je veux dire. Oui, oui, non, j'étais pas très engagé avant de venir à Paris. Hum. Non, non. Alors, un des, des avantages de la province à l'époque, ça n'est plus le cas aujourd'hui. Puis d'ailleurs, on ne dit plus la province. Voilà, ça on dit pas les politiquement régions. Politiquement correct, on dit les régions. <laughs> C'est qu'on euh, je vivais dans une bulle. La guerre d'Algérie avait eu lieu et j'en avais à peine entendu parler. Euh, y avait, on n'avait pas la télévision et donc on pouvait. Euh, on avait le sentiment de vivre dans un hors du siècle. Les, les grandes tempêtes qui euh, agitaient la France n'arrivaient pas jusqu'à nous. Et euh, bah, à travers la philosophie et les études, justement, on se branchait sur une actualité beaucoup plus vaste que le, les petites querelles familiales qui euh, ont quand même occupé euh, toute, euh, toute ma jeunesse. Alors les nouveaux philosophes, c'était quoi finalement les nouveaux philosophes bah, c'était un malentendu. <laughs> c'était un formidable malentendu parce que les nouveaux philosophes. Qu'est-ce qu qu'ils ont fait comme bruit N'avaient de nouveau euh, que le titre. Hey. Puisqu'au fond, on s'aperçoit euh, d'une part que les anglo-saxons avaient anticipé la critique du totalitarisme bien avant les Français, et puis que les, euh, ceux qui auraient mérité le titre de nouveaux philosophes, c'était Raymond Aron, qui a le premier et de façon euh, très brillante euh, et virulente, et, et, et virulente dénoncé le totalitarisme soviétique. Il faut rappeler aussi que Raymond Aron avait perçu le danger du nazisme bien avant Sartre ils étaient tous les deux à Berlin en 1933. Sartre lisait Heidegger en admirant la prose de son maître en existentialisme, alors que Aaron avertissait le Quai d'Orsay en regardant les défilés des, des SA et des SS dans la rue et en disant :« Il se passe quelque chose de terrible qui va déferler sur nous. » Donc il y a Raymond Aron et puis il y, a, il y a aussi Camus dans *L'Homme révolté*, qui a cette phrase magnifique où il dit que la vraie passion du XXe siècle, ça n'est pas la liberté, c'est la servitude. Et quel plus bel exemple de servitude que de voir l'intelligentsia française vautrer devant euh, le communisme, le stalinisme, l'Union soviétique, et puis ensuite euh, prosterner devant Mao Tse-Tung, Pol Pot. Il en reste encore <laughs> quelques exemplaires dans, dans nos rayons, dans nos rayonnages de librairie. Mais euh, et donc les nouveaux philosophes, ça a été ça, c'était la réaction, hein. le coup d'éclat médiatique de deux personnages très talentueux. Euh, BHL, Bernard-Henri Lévy et André Glucksmann. Et euh, pour Glucksmann, c'était la lecture de Solzhenitsyn qui a été son révélateur. Alors qu'il était maoïste un an av avant, mais au moins il a eu l'intelligence de comprendre que la révélation de, de l'archipel du Goulag allait transformer complètement notre vision du monde. Et euh, Bernard-Henri Lévy a mis en forme quelques années après lui aussi cette révélation dans la barbarie à visage humain. Et puis euh, j'étais rattaché comme à un wagon un peu repris <laughs> du train, j'étais rattaché quelques années après euh, avec le sanglot de l'homme blanc. De blanc ouais. Et donc ensuite on s'est retrouvé un petit groupe, il euh, y avait Jean-Marie Benoît, Enfin il y avait d'autres gens, mais euh, ça prouve simplement que la... Où oui, était le malentendu alors Le malentendu. Oui. Ben, le malentendu, c'est qu'en fait, ça n'était nouveau que pour la France. Parce que la France est un pays particulièrement attaché à l'idéal communiste, qui probablement est aussi un héritage de la Révolution française, et notamment de Gracchus Babeuf, qui était un égalitariste. Et donc, les, les Français manifestaient une sympathie, même une tendresse, pour les théories les plus radicales. D'ailleurs, comme je le disais à l'instant, ça n'est pas fini. Si vous êtes ultra radical, on vous concédera l'audience des tribunes, des médias, des plateaux de télévision. Mais le radicalisme, c'est quand même une preuve d'échec, d'impuissance à agir sur le réel. Et donc, ça explique que la France est un des pays à avoir accédé le plus tard possible, mmh. enfin assez tard, à la Europe, réalité de ce qui se passait, à la réalité du, du totalitarisme communiste en Chine et en, et en URSS. Euh, alors. Pour finir d'essayer de, de, de mieux comprendre qui vous êtes, vous avez écrit un livre en 2014, il y a deux ans, absolument bouleversant, franchement, que quelqu'un comme vous ait écrit ce livre, ça s'appelle Un bon fils. Et c'est un livre terrible quand on le lit, et, et on se dit qu'il a dû être encore plus terrible pour vous de, de l'écrire. C'est-à-dire que vous aviez un père qui était antisémite, proche des, des nazis, on va dire carrément, et qui était brutal. À la maison, avec vous, avec votre mère, etc. Et vous, vous avez été malade, vous avez été une tuberculose de bonheur, donc vous étiez peut-être fragile un peu dans, dans, dans votre corps et eu une conscience de, de la faim, voilà, des choses qui secouent une enfance quand même. Et on se dit, comment euh, Bruckner a pu écrire ce, ce livre et pourquoi, quelle était son idée Et voilà, je me suis toujours demandé ça, je ne vous avais jamais posé la question encore, euh, même, même entre nous. Et, et voilà, j'aurais voulu savoir. Quelle a été votre démarche en, en écrivant ce livre Est-ce que c'était pour libérer les jeunes de ce qu'ils croient être un enfer promis que, Quelle était votre, votre volonté bon, C'est un peu un hasard parce que qu'effectivement, euh, il y a un peu un malentendu me concernant. C'est que tout le monde pense que je suis juif alors que je viens d'une famille hystériquement antisémite, <laughs> mon père vomissait les Juifs dès le petit déjeuner, jusqu'au dîner inclus, et jusqu'au dernier jour de sa vie, euh, il était quand même, euh, il parlait en allemand et il était quand même nostalgique du troisième Reich, ça c'est vrai, mais il pensait que l'histoire allait rendre justice à Hitler et qu'au fond on le verrait comme le précurseur d'un monde débarrassé de. La, de Donc ça la allait très loin, c'était. Oui oui, c'était une passion, c'est-à-dire que c'était. Et, et comme toutes les passions, on ne pouvait pas les raisonner. J'avais beau lui apporter des livres d'histoire, euh, discuter point à point sur certains détails, euh, même s'il ne niait pas la réalité du génocide, euh, c'était voilà, l'éternel retour de la, de, de, de la jeunesse, euh, puisqu'il avait passé toute, sa, toute la guerre en Allemagne, à travailler pour Siemens, à la fois à Berlin et à Vienne. Et Siemens employait des, quand même dans les camps de concentration Bien des sûr. esclaves. Et mon père était allé à, Dach, à Darao voir, euh, voir justement où en étaient les, les, les travaux entrepris, mais c'était plus fort que lui, c'était irrépressible. Et euh, avec mon fils, on en riait. C'était devenu une manie. On se récitait des phrases qu'il qu disait sur les Américains qu'il qu haïssait, et sur la juiverie internationale. Enfin, donc voilà. Donc le, le... alors je racontais ça à mes amis qui était assez étonné et puis un jour euh, Olivier Norac donc l'éditeur de Grasset oui. m'a dit tu devrais en faire un livre j'ai dit oh tu sais c'est un peu délicat quand même euh, voilà c'est jamais très bon de s'exposer de se mettre à nu et puis euh, et puis mon père est mort et, euh, et j'ai fait un petit discours à l'église puis tout d'un coup, je me suis dit, tiens, effectivement, j'aurais peut-être des choses à, à, à rajouter. À, dire, à rajouter. À rajouter. Et puis voilà, j'ai écrit le livre sur cette, euh, cet homme qui est, à mon avis, représentant d'une génération de Français nés avant la guerre, qui ont eu 20 ans ou 18 ans en 1940, et qui, euh, constatant la faiblesse des démocraties, euh, ont hésité entre le, le, le communisme stalinien et le, et le fascisme, et mon père, lui, a basculé instantanément dans l'adoration dans la, du, euh, du Führer, d'autant que, comme nous sommes d'une famille d'origine allemande qui est à cheval entre l'Allemagne, la Hollande, la Belgique et la France depuis plusieurs générations, le, la, la germanophilie l'a emporté et il est allé. Euh, donc euh, ça vous a suivi cette histoire, ça vous a ça vous a marqué, j'imagine une histoire de, de jeunesse. Oui. Ah ben non, mais évidemment, même aujourd'hui j'en rêve encore. Mais... Vous en rêvez, c'est-à-dire ben, je... Il vous revient des images Oui, il revient des images, et... mais je pense que, il bon, y, y, y a deux choses. Que je... voilà. Dans l'enfance, dans quand on est fils unique, euh, euh, le père c'est le tout-puissant, c'est Dieu. C'est un Dieu qu'il faut amadouer ou alors il va vous écraser. Et euh, alors j'ai eu la chance, comme vous l'avez dit, de tomber malade. Vous avez été an, éloigné de la famille. Et je suis parti en Autriche parce que mon père voulait faire de moi un futur sujet polytechnicien. Euh, non, du Reich. Ouais. Il espérait que les nazis ah bon. reviendraient au pouvoir. Et donc, euh, <laughs> ayant été en Autriche, j'ai parlé allemand avant le français, mais c'était un dialecte euh, à mi-chemin entre le fort-alberg et le Bavarois. Et, euh, et donc, mon père m'a élevé dans le, mmh. le culte du. De la, de la race des seigneurs, euh, et euh, mais il était très brutal avec ma mère, il était, il était violent. violent, et donc euh, j'essayais de l'ouvoyer pour euh, à la fois me protéger et euh, protéger ma mère si je le pouvais. Et puis bon, finalement, euh, la, finalement, j'ai eu la chance de rester très longtemps en dehors de la maison, puisqu'après je suis allé en Suisse, dans un sanatorium, et ça m'a sauvé. Donc pour moi la maladie n'est pas du tout synonyme de calamité, en tout cas à l'époque, mais ça a été au contraire le moyen de vivre avec d'autres gens, d'autres enfants, et puis en Suisse on m'a fait oublier l'allemand euh, <laughs> en refusant de me parler en allemand et donc j'ai réappris. Vous êtes français. libéré, vous êtes je me libéré. suis libéré. Mais si vous voulez aujourd'hui avec l'œil de l'adulte et, oui. et euh, même du, du grand adulte que je suis, <laughs> euh, le sentiment que j'ai vis-à-vis de mon père, c'est la pitié. J'ai de la peine pour lui. Je me suis dit. Alors je me dis, quelle était la fêlure qui l'a poussé à embrasser avec une telle intransigeance une idéologie euh, folle, folle, et, euh, et de se focaliser quand même à ce point sur, le, sur les juifs. Et c'est ce qui me fait dire que c'est une passion et non pas simplement une opinion qu'on peut avoir, une opinion un peu énervée. Et comme toute passion, elle l'a possédée jusqu'au dernier jour. Une petite anecdote, euh, et puis après on passe à autre chose. Oui. Euh, euh, au mois de mai 2012, donc mon père est mort en août, je viens le voir à l'hôpital, euh, dans, dans une maison de convalescence, il me dit oh, J'ai fait un rêve merveilleux. Je dis Ah oui, c'est bien. Je lui dis Qu'est-ce que c'était Il me dit bah, Écoute, c'était le, le printemps, les, les arbres fleurissaient, il y avait des, des petites filles avec des drapeaux dans les rues. Je dis Ah oui, c'est sympathique, tout le monde chantait ai dit oui, mais alors quelle était l'occasion Eh bien, le Führer venait d'être élu. Tout était encore possible. Et alors là, évidemment, je l'ai regardé et je me suis dit c'est perdu. C'est pas la peine. Là, c'est trop tard. J'avais un livre de Charles Browning, qui est un, un historien de Einsatzgruppen, sous la main. Vous avez une l'intention de lui donner. J'avais la biographie de Jan Kershaw sur Hitler. Je <laughs> les ai posés euh, sur sa table de nuit et quand je suis revenu euh, quelques jours après, ils étaient dans la poubelle. Il a dit tout ça, c'est des mensonges. Donc voilà, effectivement. Ouais. C'était comme une maladie aussi. Hein, c'est euh, comme une maladie, hein, oui. oui. Un peu comme les, les vieux Saliniens qui ouais, ne veulent ça. pas reconnaître les crimes du communisme et qui vous disent que le bilan était positif. Ou un peu toute proportion gardée, comme les gens d'extrême gauche qui vous expliquent que l'islamisme, c'est la faute des Occidentaux et du colonialisme. Et que donc, nous ne devons pas blâmer ceux qui se font sauter dans nos rues. Alors, un mot sur le, sur le progrès c'est le, le titre de toutes ces rencontres euh, j'imagine que c'est un sujet qui vous, euh, qui vous préoccupe comme se préoccupe à peu près tout le monde comment se fait-il qu'après avoir été quasiment divinisé parce que c'était devenu une, quasiment une religion le progrès tellement c'était puissant et tellement les gens avaient confiance dans le progrès c'était, ça pouvait remplacer quelque chose comme une religion en se disant que l'homme allait prendre possession de son avenir et allait progresser vers la libération totale vis-à-vis de... Et il se trouve maintenant que 150 ans après, puisque disons que la religion a commencé au 19e siècle, 150 ans après, les gens, maintenant quand on leur parle de progrès, lèvent l'oreille en se demandant euh, quel malheur va arriver, ou quelle possibilité. Alors, tout le monde concède qu'il y a quelques progrès et que c'est intéressant, mais au mot progrès, euh, il y a à la fois une espérance et une inquiétude. Pourquoi cette inquiétude est-elle née à votre avis de, de quoi je pense qu'elle est née d'une ambition démesurée qui est apparue avec les Lumières, et qui est l'idée selon laquelle les progrès de la science, de la technique, de l'éducation et de l'économie allaient susciter automatiquement le développement moral de l'être humain. Et c'est par exemple la thèse que défend Condorcet dans son livre sur le progrès. Il a été ensuite guillotiné par des révolutionnaires, mais qui est un livre très optimiste où il... Il décrit une sorte de progression de l'esprit humain vers une amélioration quasi inévitable. Et on trouverait déjà chez Bossuet l'idée que Dieu conduit aussi l'humanité vers un état meilleur par des desseins souvent obscurs. Et je pense que ce, qu a, ce qui a mis en crise l'idée de progrès, non pas au 19e siècle, mais au 20e, c'est que précisément la... La, le, le déploiement de, de moyens techniques illimités a été mis au service d'un projet euh, mortifère et abominable, qui a été d'une part à Auschwitz le, le génocide des juifs et des tziganes, et d'autre part la création des goulags dans le, dans le monde soviétique, à quoi c est, c est, se sont rajoutées les deux guerres mondiales, euh, et surtout la première où l'homme a été en quelque sorte dépassé. Par les techniques de la mort, c'est-à-dire par le, les canons, les, les armes, qui font que plusieurs millions d'hommes se sont entretués dans les tranchées euh, sans comprendre exactement ce qui leur arrivait. Et donc, c'est évidemment après la première et après la seconde guerre mondiale, et après la révélation des atrocités du nazisme et plus tard les atrocités du stalinisme, que l'humanité occidentale s'est interrogée sur le progrès. Et il, y a, bon, il y a Heidegger, évidemment, qui a été le, le, le principal pourfendeur, celui qui est toujours revendiqué aujourd'hui par les ennemis du progrès. Mais en France, vous avez quelqu'un comme Jacques Ellul qui prononce une condamnation absolument implacable de, 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 de l'histoire occidentale et d'idées de progrès. Et puis, vous avez aujourd'hui toute l'écologie catastrophiste qui s'est engouffrée dans cette brèche et qui nous explique que le bonheur consisterait à revenir aux années 50, puis aux années 30, puis aux années 20. Et puis au XIXe siècle, et de vivre finalement comme les amiches avec des carrioles, des chapeaux, des robes à crinoline. Mais vous avez toujours été anti-écologiste hein Non, non, non. Mais si, jamais... si, si, vous avez même écrit un livre. Oui, oui, j'ai écrit un livre que je ne relis ouais, pas ouais, du je tout. Je m'en souviens parce que je, je l'ai lu ce livre. Mais autant je prends l'écologie au sérieux, autant je prends nos écologistes <laughs> très peu au sérieux. Et euh, je crois que je ne suis pas le seul puisque leur pourcentage de voix ne cesse de diminuer. Donc, le. le, 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 le voilà. Le, le problème, le problème c'est qu'on peut parfaitement constater que le, le, le progrès à, technique et scientifique mais a engendré un certain nombre de Juste un mot, de... les, les massacres en Chine qui ont fait des dizaines de millions de morts, on ne sait pas exactement, mais entre 10 et 20 millions de morts au moins, euh, se sont faits avec des bâtons. Hein, sont... mais exactement. Ce ne sont pas faits avec euh, des progrès techniques. Non, mais je dis que, ça juste parce que. Exactement, c'est ce que nous disions tout à l'heure avec ouais. Euh, ouais. mon ami Luc Ferry. Ouais. Euh, non, pour dire que le progrès n'a pas... Vous voyez, ça oui, fait... oui, exactement. C'est-à-dire que euh, le génocide cambodgien s'est fait avec des couteaux voilà. et des sacs en plastique, on étouffait les gens. En Chine, c'est la famine. Ouais. Euh, même Daesh a finalement une technologie assez rudimentaire. Ils ont des armes, mais c'est quand même au couteau qu'ils égorgent leurs prisonniers. Donc le, le, je, je pense qu'il ne faut pas confondre les, les avancées de la technique et de la science. Ça. Avec les possibilités de massacre. Euh, et oui, et avec l'éducation du genre humain et de la mentalité humaine. Donc, effectivement, il faut faire une distinction qui est quand même, euh, me paraît-il, un peu euh, élémentaire entre euh, les outils de la science et de la technique euh, dans les démocraties et les outils de la science et de la technique dans les États totalitaires qui les mettent au service d'un projet. Euh, d'un projet mortifère, là aussi. Est-ce que vous, Pascal Bruckner, vous pensez que c'est une, une bonne évolution que de questionner le progrès, de lui mettre un point d'interrogation et d'aller chercher, dans ce qui est annoncé comme le progrès, ce qui serait bon ou moins bon Est-ce que c est, c est, cette mise en doute a été un progrès mais, en, en soi-même Oui, mais je pense qu'on fait un contresens. On a l'impression que le 19e siècle était un siècle béat, euh, adorateur du chemin de fer, de la machine à vapeur et, et des becs de gaz, et que nous, nous serions enfin arrivés à la lucidité. Mais ce n'est pas du tout comme ça que, que ça s'est passé. Le progrès est né dans le doute des bienfaits du progrès. Et je prendrai deux exemples. C'est Rousseau qui, le premier contre est Voltaire, vrai. fustige le luxe, l'argent, mais aussi fustige, c'est le, le fameux discours sur les arts et les sciences, où euh, euh, participant à un concours organisé, je crois, par l'Académie de Dijon sur les bienfaits que les arts et les sciences apportent dans les sociétés humaines, Rousseau, qui est le premier, est, ouais, est le premier. grand écologiste, mais évidemment ah, mais, génial en comparaison de ce que nous avons aujourd'hui en magasin. Ça, c'est facile, c'est pas facile. C'est facile, mais quand même, il faut le rappeler. Chaque fois que vous les tenez au bout. Là. Non, 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 pardon, je ne recommencerai pas. <laughs> mais euh, Rousseau explique que les arts corrompent les hommes et que les sciences les détachent d'une communion instantanée avec la nature, qui est, selon lui, la, la, véritable, la véritable vocation de l'être humain. Et donc, euh, Rousseau déteste les villes. Euh, et il ne se sent bien que donc, dans, la, dans la nature près de Genève, où, dit-il, il peut rester enlacé de lui-même. Donc le, le, Rousseau est le premier grand euh, euh, penseur. penseur du contre-progrès. Et puis je, il, il, faut, il faut se souvenir d'un autre exemple très frappant c'est que Marie Shelley, la femme de, de, du, du grand poète anglais, ouais. Euh, écrit en Suisse son Frankenstein. Vous savez, c ils étaient un groupe de poètes anglais et Byron a fait un concours en disant Est-ce que vous serez capable d'écrire un livre en quelques semaines Et elle, elle écrit Frankenstein. Euh, on confond en général toujours oui, Frankenstein vrai. et sa créature. Eh oui. euh, donc euh, Frankenstein, c'est le nom du savant allemand qui construit un être à partir de morceaux de cadavres prélevés dans une morgue. Et euh, quand cet être se réveille, il est épouvanté et il essaye de le tuer. Et en fait, le, il y a un contresens complet sur la, la fable de Frankenstein. Ça veut dire effectivement que l'être humain peut construire des, des, euh, des créatures qui pourront se retourner contre lui. Et c'est vrai que certaines de nos inventions sont extrêmement dangereuses. Mais au fond, si euh, le, la créature de Frankenstein commence à tuer tant de gens autour d'elle, c'est parce que son maître et créateur l'a renié. Et donc le, le, finalement la fable que Marie Chalet a voulu nous dire, c'est qu'il faut aimer nos créatures, si abominables soient-elles. Et c'est ça que finalement c'est un, un très beau roman. Mais en pleine époque positiviste, en pleine époque du saint-simonisme, il euh, y a quand même cette femme qui est, pointe un des risques possibles de la science. Et puis ensuite, les, euh, même Jules Verne, qui est quand même le grand euh, écrivain des prodiges de la science, montre dans tous ses livres comment une invention, si merveilleuse soit-elle, peut se conclure elle aussi par une, par une décadence ou par une chute. Et donc le, le positivisme que l'on dénonce aujourd'hui est en fait beaucoup plus complexe qu'on ne le dit. Et simplement, nous avons retenu, nous, l'aspect négatif. Et, alors vous dites que le progrès est contesté de nos jours. Il l'est en Occident. Mais si vous allez en Chine, si vous allez en Inde, si vous allez en Afrique, je peux vous dire que les gens n'ont rien contre le progrès. Ils en attendent beaucoup et ils en ont déjà reçu beaucoup, puisque je rappelle ce simple chiffre qu'en 20 ans, 1,2 milliards oui. d'hommes sont sortis Sorti de la, de la pauvreté, pauvreté absolue. Et là, je dois dire que quand on m'explique que la mondialisation est, comme le pape François, que la mondialisation est un facteur d'appauvrissement, je tombe un peu dénu parce qu'il faudrait quand même regarder les statistiques de l'OMS, de l'ONU et de la FAO. Pourtant, il était chez les Jésuites aussi, le pape. Hein, comme oui, vous... mais pas les mêmes. <laughs> C'est un héritier de la théologie de la libération, oui, d'où l'obsession qu'il a à dénoncer le matérialisme, l'argent. Et les riches. Alors, il euh, y a un domaine où, où le progrès. Alors, même s'il était contesté par Rousseau, mais je pense que Rousseau n'aurait pas contesté lui-même les progrès de la médecine. C'est-à-dire que vraiment, l'homme Pascal Pic le disait hier. En, depuis 1945, les, les femmes et hommes vivent 20 à 22 ans de plus qu'il y a 50 ans. Donc, c'était. Ce sont des progrès évidemment énormes. Bon. Et alors, ce qui était préservé ce qui n'avait jamais été, dont personne n'avait douté, c'est-à-dire que la médecine était évidemment un progrès fantastique et qui changeait le sens de l'humanité au bout du compte maintenant on arrive à un moment où à chaque découverte médicale on s'inquiète en se demandant si on peut vraiment intervenir sur les, sur, avant la naissance sur les, les enfants portés par les femmes si la manipulation génétique n'est pas quelque chose qui va nous emmener dans des délires absolus, dans, dans de l'inconnu que personne ne pourra contrôler même la médecine maintenant est questionnée oui, et, et pas seulement la médecine, l'alimentation. Je rappelle quand même le titre de Télérama d'avril 2011 ou 2012, Mangez-tu C'était donc une dénonciation de oui, la, des produits, des, euh, produits, euh, des, pesticides, des pesticides et, et des autres dans, dans notre alimentation. Et on a, on a envie de répondre bêtement ben, Essayez de ne pas manger, vous verrez dans quel état vous serez. Et donc, on est quand même dans un univers où l'alimentation n'a jamais été aussi surveillée. Absolument. Aussi diversifié vous, pouvez, euh, vous avez le choix entre des, des magasins qui vous offrent toutes sortes de produits, euh, quand même incroyablement plus riches que ce qu'avaient nos parents et nos grands-parents. Et, et sûr, et en dépit de cela, on nous explique que nous sommes au bord de la, au bord de la fin. Je rappelle la phrase de de... Ah, son nom son m'échappe, nom le, le monsieur qui a inventé l'espace du colibri. Pierre Rabi qui Rabhi. dit... Ah oui, Rabhi. Voilà, Pierre Rabi, merci. Le moment est venu, euh, lorsque nous passons à table, de dire en regardant notre assiette, bonne chance. <laughs> Alors là, écoutez quand même... Bon, il faut être sérieux. Encore un coup pour les écologistes. Par non, parenthèse. non, 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 mais... Non, non, mais je veux Parce dire... rabbi, faut... c'est quand même... Ouais. Il faut savoir peser les risques oui, et peser les mots. Or, euh, euh, si véritablement chaque passage à table, petit déjeuner, <laughs> déjeuner, déjeuner une angoisse oui. était euh, l'équivalent <laughs> d'un champ de mine, aucun <laughs> d'entre nous n'aurait survécu. Euh, et et euh, quand vous regardez les jeunes générations, les enfants sont beaucoup plus beaux euh, que nous l'étions à leur époque. Ils sont en me, meilleure ils, santé. Oui. En meilleure santé, ils sont plus grands. Euh, les, euh, les, les, les gens vivent beaucoup plus vieux, vous l'avez dit, 22 ans de plus. Alors ce qui est vrai, c'est que pour la médecine, il y a eu un certain nombre de scandales qui ont en quelque sorte jeté le doute. C'est là aussi, on retrouve un des grands négateurs du progrès qui était Ivan Illich, oui. euh, qui, a, qui a édicté un certain nombre de théorèmes, à savoir que le progrès était euh, un danger en lui-même, parce qu'il définissait un certain nombre de seuils critiques. Au-delà duquel, il se retournait contre, retour... ses, contre ses bénéficiaires et il disait euh, :« Les transports, loin de rapprocher les hommes, les éloignent. » C'était le... très intelligent quand même. Oui, oui. Non, non. C'était très élaboré oui. L'alimentation rend les gens obèses, qui est tout à fait vrai. Mais ça, c'est un autre problème. Ça, c'est l'abondance la, plus que l'alimentation et la médecine tue les hommes qu'elle devrait sauver. Alors là aussi, il faut nuancer. Mais ce qui est vrai, c'est que le ce qui est très inquiétant quand nous devons subir une opération ou quand nous euh, euh, commençons un traitement, c'est qu'immédiatement, nous avons à la fois la, la confiance dans le médecin et la méfiance envers ses compétences. Et donc, le, mal, le malade contemporain ou le consommateur contemporain est un homme qui prend un cachet et lit plusieurs fois la notice. <laughs> en se demandant si on n'est pas en train de lui mentir. Voilà. Si les effets indésirables sont voilà. pas supérieurs. Ce qui est sûr, c'est que nous n'avons plus dans le, la, la médecine la confiance aveugle que pouvaient avoir nos, nos parents ou nos grands-parents pour qu'il le médecin de famille, enfin je ne sais pas, euh, c'est peut-être pas vrai pour les gens dans cette salle, mais je me souviens que le, euh, nous, nous vivions à la campagne, le médecin venait euh, oui, consulter tous les membres de la famille. Euh, il déjeunait là, il avait remplacé dans l'imaginaire français le prêtre. Hein, le prêtre, c'était un personnage dans les familles laïques ou dans les familles euh, franc-maçonnes ou athées. On n'aimait pas trop les prêtres, donc on les saluait, mais c'était plutôt le médecin qui incarnait la science et la le science, progrès, ouais. justement. Il incarnait la voie de la raison contre les voies de la superstition. Et. Euh, et euh, mais euh, quand par exemple un enfant va à l'hôpital pour une bénigne opération d'appendicite et, et meurt d'une maladie euh, nocosomiale, alors là évidemment la confiance dans la science est complètement ébranlée. Et donc est, il est vrai que vis-à-vis -vis de la médecine, nous, nous sommes obligés de nous en remettre à ces, à ces arrêts et, et, et admettre aussi que les, les, les progrès sont absolument inouïs, y compris dans la dans la lutte contre le cancer, qui a, qui a quand même fait des, un bond en avant depuis des années. Euh, il faut admettre aussi que n'importe quel d'entre nous, il y a un siècle, serait mort d'une grippe, d'une chute de cheval, d'une du, de, maladie, d'une infection, d'une infection, d'une rage de dents, ou euh, que nous serions, il y a un siècle, nous serions tous avec un dentier à la place de nos dents d'origine, <laughs> euh, ce qui n'est quand même pas complètement négligeable. Quand on regarde, par exemple, simplement quand on lit les mémoires de Saint-Simon et qu'on voit les mœurs de la cour de Louis XIV, euh, les, 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 la, la saleté repoussante de ces gens qui se pensaient d'une humanité supérieure, la manière dont le, le roi soleil faisait ses besoins par terre, le, le, le récit de son opération de sa fistule anale par Saint-Simon. Bon, pour un roi soleil, fistule anale, ça fait désordre. Mais on se dit quand même. Le progrès est inouï, on ne se rend plus compte. Et euh, l'idéologie anti-progrès, c'est au fond euh, la résidence secondaire des peuples gâtés. Hein quand, les, quand des Africains viennent en, en Europe ou, ou des, des Indiens, ils se disent, mais de quoi vous plaignez-vous Vous avez tout, vous avez tout et vous osez encore pleurer sur votre sort. Et c'est là où véritablement il y a un hiatus, même s'il est vrai que le progrès doit être conscient de ses limites, même s'il est vrai que le progrès doit toujours avancer avec un œil critique de lui-même, il faut quand même rendre grâce et remercier un peu nos prédécesseurs d'avoir fait le monde tel qu'il est. Or, nous vivons quand même dans une société incroyablement prospère que nous décrivons dans les termes de l'Apocalypse. Et là, j'ai appris qu'une journaliste de Figaro venait de, 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 de publier un livre qui s'appelle Vers le pire des mondes. Je dois dire, on ne vit pas dans le même monde à ce moment-là parce que euh, je veux bien. Non mais elle parle des robots, vous voyez, de tout ce qui peut arriver, qui, qui va supprimer des millions d'emplois. Voilà, ce sont des craintes. Oui, le, ce que... sont des craintes. Mais faut-il donner à des craintes l'épaisseur d'une réalité Est-ce que c'est ce que nous vivons aujourd'hui Sommes-nous aujourd'hui euh, freinés par les robots Pas encore. Bien sûr qu'il faut réfléchir au monde de demain. Mais euh, je trouve que cette euh, idéologie euh, anti-progrès faite et décrite par des gens qui chaque jour bénéficient de tous les avantages d'une société riche et plurielle me paraît euh, quelque chose d'assez faux. C'est vraiment l'idéologie au sens classique du terme, c'est-à-dire une vision distordue de la réalité. Alors, euh, un mot sur vos engagements, parce que vous êtes quelqu'un qui est connu pour, euh, pour votre façon de penser et aussi parce que vous, vous intervenez souvent, on vous lit régulièrement dans la presse, dans plusieurs journaux et dans, et dans vos livres évidemment, puis à la télévision, à la radio. Vous êtes quelqu'un qui, qui est engagé dans la, dans la vie de tous les jours, dans la vie publique, euh, française et internationale. D'ailleurs, vous revenez par parenthèse de, de Mossoul, d'Orient vous avez publié, euh, j'ai lu ça dans le Figaro la semaine dernière, une longue page sur Sauvons les chrétiens d'Orient. Euh, vous avez été. Euh, oui, alors là, c'est la deuxième fois que vous y allez d'ailleurs. C'est la deuxième fois que j'y vais. Alors là, c'est un engagement qui, est, qui reste encore très minoritaire en France, qui est là, effectivement le souci des chrétiens d'Orient, puisque je rappelle que les chrétiens d'Orient, qui étaient plusieurs dizaines de millions il y a encore un, un, un quart de siècle, sont aujourd'hui expulsés, chassés par les rivalités entre sunnites et chiites, ou tout simplement par un islam radical. Par la guerre, tout simplement, les guerres qui <laughs> ravagent leur pays. Aussi. Par la guerre, mais en Égypte, il n'y a pas la guerre, ouais. et les coptes sont pourtant ouais. persécutés, humiliés. Et heureusement, le maréchal al-Sisi euh, les a pris sous son aile, ce qui n'empêche pas qu'ils soient euh, toujours l'objet de la cible d'un certain nombre d'attaques. Et donc voilà, je suis allé euh, avec monseigneur Golnisch, qui n'est pas... Le, celui que l'on croit, c'est son frère. C'est son frère. Oui. Comme il le dit avec beaucoup d'humour dans la famille, il y a un intelligent et un stupide. Cherchez lequel. Comme quoi, même un, même un évêque peut avoir parfois la langue bien pendue. Euh, mais euh, donc, il est directeur de l'œuvre d'Orient, qui est directement oui. rattaché au Vatican. Effectivement, nous, avec une petite équipe dont Sylvain Tesson oui. et Frédéric Tissot, qui est l'ancien consul de Ancien France consul, au oui. Kurdistan, Kurdistan oui. irakien. A donc, euh, on, voilà, on est allé euh, ouvrir une radio qui s'appelle Radio Al-Salam, ouverte à toutes les communautés, y compris d'ailleurs les minorités musulmanes persécutées, qui sont là-bas certaines communautés sunnites ou chiites. Et donc, euh, nous y sommes retournés cette année, et euh, on est allé à Karakosh, qui est une, 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 une grande chrétienne. ville chrétienne qui avait été dévastée par, euh, Daesh. par Daesh, et l'archevêque. Le, le, Syriaque catholique qui s'appelle euh, M. Petroche Moshe a célébré la messe dans une église complètement carbonisée, dévastée. Et c'est vrai que c'était extrêmement émouvant. Et je dois dire que même les, les soldats de l'armée irakienne musulmans euh, étaient très émus de voir qu'une certaine image pluraliste de leur société pouvait renaître. Euh, et est, oui, la, la messe a été célébrée en araméen. Et je veux dire, moi qui suis un mécréant et euh, depuis euh, ma, ma, ma grande jeunesse, j'ai retrouvé quelque chose comme, euh, comme une grâce. Parce qu'effectivement, je, je, même si je ne crois pas en Dieu, j'ai envie de me battre pour que le christianisme reste vivant sur ces terres d'origine, car je rappelle Bien sûr. que le christianisme euh, a six ans, six ans, six siècles. Euh, D'existence avant que l'islam n'apparaisse, même si les musulmans ont balayé euh, toutes les. Vous pensez que c'est indispensable pour quelqu'un qui réfléchit au monde de s'engager Parce qu'il y, y a des gens qui pensent le contraire, que quelqu'un qui réfléchit doit éviter euh, de s'engager non pas pour partager une cause, bien sûr, parce que bon, tout le monde comprend qu'ils qu peuvent partager des causes, mais que de l'afficher euh, produit des divisions telles que. Le, leur pensée ne sera pas écoutée par tout le monde et prêtera à des critiques qui ne portent pas sur, sur ce qu'ils pensent, mais sur ce qu'ils disent de manière en intervenant dans la vie publique. Oui, mais c'est une. Alors d'abord, l'engagement c'est une caractéristique très française. Ça commence avec euh, euh, ben ça commence avec les philosophes Voltaire, Rousseau, Diderot, d'Alembert qui euh, prennent parti euh, les Lumières. On avec les Lumières, prennent parti contre la monarchie et contre l'Église. En tout cas contre le fanatisme, comme disait Voltaire, écrasons la femme, c'est-à-dire le fanatisme et la superstition. Et puis ça continue tout au long du XIXe siècle. Et, euh, et c'est une particularité française qui fait que, par une, un hasard historique euh, incroyable que nous envient à la fois les Britanniques, les Allemands, les Espagnols et plus encore les Américains, euh, les intellectuels sont écoutés en France. C'est incroyable parce qu'ils n'ont rien de plus intéressant à dire que d'autres. Et pourtant, la, la on les invite. De, la vente les, des livres a, de philosophie en France. Alors d'abord, il y a en France un, incroyable. un souci philosophique qui est, qui est assez extraordinaire. Ouais. Et unique, retrouve, en Europe, pas, unique en Europe. Unique en Europe qu'on ne retrouve pas ailleurs. C'est-à-dire que dans n'importe quelle petite ville euh, de ce pays, vous pouvez avoir des débats très intéressants mmh. sur des grandes questions. Euh, mmh philosophique sur Dieu, sur le sens, sur la vérité, sur le bonheur. Et, et effectivement, là, il me semble qu'il reste dans l'esprit français quelque chose de l'idéal de l'honnête homme qui a été défini au XVIIe et au XVIIIe siècle. C'est-à-dire cette idée que finalement une parole claire, une parole intelligente... Peut être accessible à tous et euh, peut être échangé avec tous les citoyens. Et donc, le, le, alors d'une part, il y a cette inquiétude philosophique qui me paraît euh, bénéfique, euh, oui, tout, tout à fait extraordinaire en France, et c'est pourquoi je ne, je, 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 je ne suis jamais arrivé à désespérer de ce pays. Je pense que nous avons d'immenses potentialités euh, freinées par un pessimisme euh, effroyable et incompréhensible, mais d'autre part. Il est vrai qu'en France, l'intelligentsia a une audience, et malgré les erreurs monstrueuses où elle s'est fourvoyée depuis un siècle donc, depuis une partie des intellectuels dans l'entre-deux-guerres dans a basculé dans le soutien au fascisme, l'autre dans le soutien au salinisme euh, et bien malgré tout, les, la classe intellectuelle continue de bénéficier d'une certaine audience. Le prestige. Vous n'êtes vous pas fourvoyé vous-même euh, Si, bien Pascal sûr. Rotner, quand vous avez soutenu Bush, par exemple, en Irak. Alors, j ai, j ai, attendez, je, je précise, j'ai soutenu la chute de Saddam Hussein. Et oui. ça, je ne le regrette pas. Et d'ailleurs, quand j'étais en. Oui, mais enfin, il faut voir plus loin. Quand, quand on est philosophe, on... vous voyez ce que je veux dire Non, vous avez raison. Ah. Mais. Euh, non, non, vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, j'ai reconnu que je m'étais trompé. Et je, 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 je suis content de vous l'entendre dire comme je n'ai pas en, entendu beaucoup de mes camarades reconnaître leurs erreurs, c'est vrai. Nous en commettons tous, à partir du moment où vous engagez, vous prenez le risque de vous tromper. Mais euh, dans l'Irak d'aujourd'hui, les gens ne regrettent pas Saddam Hussein, ils regrettent les erreurs faites par les Américains après la chute du dictateur. Bon, ça, c'est un, un autre débat. Euh, beaucoup de mes petits camarades se sont engagés pour la Libye aussi, ou, hmm. ou pour d'autres même, pays. Même chose. Même chose, même chose mais, mais en même temps, ce n'est pas parce qu'on s'est trompé sur euh, un cas d'école que toute intervention extérieure doit être bannie. bannie. Oui. Et donc, euh, je pense par exemple que l'intervention française au Mali est parfaitement justifiée, et que d'ailleurs, dans ce domaine, la France de François Hollande a fait plutôt pas mal, et ne s'est pas beaucoup trompée, que ce soit l'opération Barkhane, que ce soit l'intervention en Irak ou en Syrie, ou, ou même en Centrafrique, où nous avons évité un deuxième Rwanda, c'est-à-dire un génocide entre chrétiens et musulmans. Euh, sur ce plan-là, euh, avec peut-être plus de lucidité plus de recul que les Américains, nous avons bien mesuré le pour et le contre, même si les, 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 rien n'est résolu dans ces pays. En tout cas, je pense que oui, on, on, on a raison par moment de, de s'engager sur l'urgence. Et donc, le. Euh, et puis c'est vrai qu'on est sollicité par l'actualité, c'est-à-dire qu'au fond on a envie de comprendre ce qui oui, se passe. Oui, on comprendrait mal peut-être l'inverse, c'est-à-dire voilà. que les gens qui font profession de, de, de réfléchir ou d'écrire, on ne comprendrait peut-être pas aussi bien que ça qu'ils se taisent dès qu'on les interrogerait sur l'actualité. Oui, puis alors quoi. se retirer dans la, dans la tour d'ivoire, euh, bien sûr, pourquoi pas dire je vais écrire une œuvre immortelle, je vais asseoir une ontologique ou une métaphysique inédite. Ben, ça a déjà été fait par quelques illustres prédécesseurs. Je dois dire qu'il faut vraiment avoir beaucoup de, de talent pour euh, refonder une philosophie nouvelle. Non, je pense que ce qui alimente la réflexion, c'est l'échange entre l'histoire immédiate et les, les concepts ou les, les valeurs dont nous disposons. Et justement, la tâche d'un intellectuel, d'un philosophe, c'est d'éclairer son époque et d'essayer de d'orienter. De, de, L'opinion, comme il essaie de s'orienter lui-même. Au fond, c'est un, c'est un travail collectif. C'est un trajet. Oui, le, le, ça. Le, moi, j'aime bien l'idée la, la, euh, Gramscienne d'intellectuel collectif. C'est-à-dire qu'au fond, un homme ou une femme qui pense pense toujours avec son époque et avec ses contemporains. Et en fait, les, les donc c'est un, c'est un une réflexion, c'est une réflexion collective que nous menons euh, à travers euh, tel ou tel livre. Alors, deux mots quand même sur. Vous avez, votre dernier livre, ça s'appelle La sagesse de l'argent. Je me suis toujours dit qu'avec Bruckner, pour écrire un truc sur l'argent, parce que c'est vraiment un livre à prendre des coups, et il faut oser, quoi. Parce que si un, maintenant, le sexe, on en parle assez facilement partout, dans les écoles, à la télé, etc. Il y a un sujet dont on ne parle pas, c'est l'argent. Parce que l'argent, chacun évite de dire combien il gagne, on, voilà, et. C'est un sujet qui n'est jamais abordé, y compris dans les familles, etc. Euh, l'argent en tant que tel, je ne parle pas du manque d'argent, l'argent en tant que tel est quelque chose qui est secret, qui est peut-être la chose la plus secrète dans les relations entre les gens. Et vous, vous écrivez euh, un livre sur l'argent, donc c'est déjà une prise de risque. Et la sagesse de l'argent, le titre est déjà. Euh... Alors c'est bourré de choses euh, très très intéressantes et, et assez vraies. Je ne sais pas si tout le monde aimera l'intégralité de ce qui est dit, mais il y a des choses très justes. Par exemple, je me souviens d'une phrase à l'intérieur du livre qui est tellement vraie que ça m'est apparu en vous lisant. Vous dites en France, parce que vous dites qu'en France, on est alors particulièrement un pays où l'argent, alors, est tabou. Ce n'est pas pareil aux États Unis, par exemple, au contraire, tout le monde dit combien il gagne, etc. Et vous dites en France, ce qui est incroyable, c'est tout le monde a le droit d'être riche, mais personne n'a le droit de gagner de l'argent. Oui, j'ai trouvé ça euh, tellement vrai. Je ne je je me, te... me souviens plus d'avoir écrit ça, mais en tout cas, je vais quand même ah, commenter dommage. votre, votre, dommage. Non, votre je... idée. Non, non, c'est-à-dire que le. Oui, alors voilà, d'abord, la grande différence entre la France et les États-Unis, c'est que chez eux, le tabou, c'est le sexe, et on a bien vu que la campagne électorale eh oui. s'est terminée dans des histoires pas très reluisante, un peu graveleuse euh, oui. les confidences de vestiaire de Donald Trump d'un côté et, bah, et Hillary Clinton accusée d'être ordonnatrice d'orgie avec son mari et, et, et leur maîtresse, donc tout ça est, évidemment n'aurait pas pu se produire en France nous avons beaucoup plus à la fois de liberté de tenue concernant les affaires intimes, en revanche le fait que Trump soit milliardaire a, a fait pour beaucoup dans son succès alors que François Hollande a commencé son Quinquennat en expliquant qu'il n'aimait pas les riches et qu'il n'avait qu'un adversaire, c'était la finance, qui lui consent pourtant, depuis cinq ans, des taux d'intérêt extrêmement bas, <laughs> voire négatifs. Mais bon, chacun, chacun a ses propres contradictions. Ce qui est vrai, c'est que la France n'aime pas l'argent officiellement. cest officiellement, je, je crois que la, le credo français, qui est, qui est un, un mixte entre la tradition catholique, la tradition aristocratique et la tradition révolutionnaire, Peut-être résumé dans, dans cette phrase merveilleuse de Balzac qu'il fait dire à Vautrin dans Le Père Goriot derrière chaque grande fortune, il y a un grand crime qui a été bien commis et bien oublié. <laughs> et, euh, et, et, je, et je pense que nous, 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 nous continuons aujourd'hui, chaque fois que nous croisons des gens fortunés, à nous dire ah, mais qu'est-ce qu'il a fait pour gagner autant d'argent hein Quelle manigance Quelle complicité a-t-il remuée pour se retrouver à la tête de cette fortune. En revanche, ce qui est vrai, c'est que notre haine des riches, notre haine, entre guillemets, parce que dans cette haine, il y a de l'envie, évidemment, s'arrête devant deux catégories d'individus, qui sont les artistes et les, et les sportifs. Et dans les sportifs, les footballeurs. Et donc, c'est quand même incroyable, les millions gagnés par tel ou tel joueur de foot ou de rugby. Pour avoir poussé une balle entre deux poteaux. Rugby, moins, attention, oui. ici c'est un terme oui, de rugby. Oui. Mais football, il, y a, des, il y a moins de riches qu'au qu PSG. Football ou, ou tennisman ou autre euh, sont, immédiatement, euh, sont immédiatement célébrés, alors qu'un entrepreneur, euh, petit ou grand, euh, sera évidemment montré du doigt euh, et désigné à la vindicte populaire parce qu'il aura gagné de l'argent euh, au bout de 20 ou 30 ans. Et c'est très étrange. C'est comme si finalement les artistes, les chanteurs, comédiens ou les sportifs étaient sortis de l'humanité ordinaire. C'est-à-dire qu'au fond, eux ne sont pas astreints aux mêmes règles que nous. Euh, et donc, nous pouvons leur pardonner leurs frasques. Ils ont le droit de gagner beaucoup d'argent. Ils ont le droit de dépenser. Ils ont le droit, comme l'a fait Serge Gainsbourg, souvenez-vous, il y a un certain nombre d'années, de brûler des billets de 500 francs. À l'époque, c'était avant l'euro. Et tout le monde a trouvé que c'était formidable. <laughs> Alors que si un, si un patron avait fait ça, ou un chef de parti, on l'aurait voué aux gémonies. Et donc il y a vraiment une schizophrénie dans notre rapport à l'argent, qui est d'ailleurs une schizophrénie très française. C'est qu'au fond, pour revenir à ce dont on parlait tout à l'heure, euh, la France est déchirée entre Voltaire et Rousseau. Voltaire, qui était un homme de progrès, et c'est pour ça qu'on peut continuer à l'aimer aujourd'hui, mais aussi un homme qui aimait le luxe, un homme qui faisait l'éloge du commerce. Et qui disait qu'un imbécile, s'il avait un bon lit de plumes où dormir, s'allongerait par terre à côté pour y trouver le sommeil. Et là, il visait directement Rousseau. Rousseau, à l'inverse, c'est donc l'homme de l'austérité nécessaire, de la vertu romaine, qui expliquait qu aucun plaisir ne lui avait jamais été procuré par l'argent. Et j'ai l'impression qu'en France, les, euh, nos, nos présidents. Nos ministres vivent dans des palais hérités de l'Ancien Régime, dans des fauteuils de Louis XVI, dans des lieux somptueux. Nos préfectures, nos bâtiments sont des châteaux. Public, les bâtiments publics. Oui. Nos bâtiments publics sont des châteaux magnifiques que nous entretenons avec amour et avec raison, car effectivement, c'est ce qui fait la beauté de ce pays. Et donc, les, euh, les apparences sont voltairiennes, mais les sous-titres restent de Rousseau. C'est ça qui est étonnant. Et donc les Français sont un peuple de jouisseurs qui aiment le luxe et la mode, mais qui aiment à se décrire en ascètes et, et, et en amis des pauvres. Et donc je, et cette, cette schizophrénie... Hypocrisie. C'est une hypocrisie, mais c'est un peu plus fort que l'hypocrisie, car je crois que c'est une division que nous avons tous en nous-mêmes, euh, alors, euh, alors même qu'effectivement euh, l'argent est un souci quotidien, chez les riches parce qu'ils en veulent plus, et chez les pauvres parce qu'ils en veulent un peu. Ils en ont besoin. Ils en ont besoin. Voilà. Et donc, le, le, je crois que cela fausse nos rapports, non seulement avec l'argent, mais avec le travail, avec le respect qui est dû au travail, et, et avec l'idée de la récompense, au fond, l'idée que le, les, gens qui, les gens qui vivent bien sont souvent des gens qui l'ont mérité. Et donc, l'argent n'est pas simplement le fruit du vol, comme on essaie de nous le dire dans un certain nombre de d'officines. Il est aussi le fruit de, du labeur et même de l'intelligence et même parfois du génie. Euh, Quelqu'un comme Steve Jobs ou comme les grands entrepreneurs sont quand même des gens qui ont mérité leur euh, leur salaire parce qu'ils ont quand même aussi fait avancer l'humanité. Euh, tout en bien sûr, oui. Euh, vous avez même dans le livre, vous allez jusqu'à euh, parler du rapport bizarre des écrivains avec l'argent, alors je me suis dit quand même, il va loin là, parce que on, quand on dit des écrivains, ah bah oui. vous, vous êtes l'un des leurs. Non, non, mais bien sûr, non mais alors ça... Non, <laughs> Donc mais... c'était ironique, c'était assez... Non, non, mais c'est pas du tout ironique, non, non, mais là... C'est drôle quoi. Vous touchez vraiment au cœur du, au cœur de la contradiction, c'est-à-dire que tout. Toute, toute la classe intellectuelle est de gauche, globalement. Bon, il y a quelques exceptions, il y a des intellectuels de droite. Bon, c'est de moins en moins vrai, on va dire. C'est de moins en moins vrai, mais jusque-là, tous les oui, intellectuels ont un cœur 10 ans, ouais, généreux. Ouais. Euh, <laughs> ils militent pour euh, toutes les minorités, euh, y compris pour la cause animale. Ils sont donc en faveur des défavorisés, généreux, ouais. ils sont généreux. Et, et, et en même temps, c'est un milieu qui se prolétarise. Mais au sens strict du terme, le milieu culturel euh, n'est pas du tout un milieu riche, à part quelques figures qui euh, vendent très bien leurs livres. Euh, C'est vrai, qu'on tire le diable par la queue, oui, quand on les, lit ses les, livres. Les journalistes, les, euh, les écrivains, les essayistes, moi je suis au comité de lecture de Grasset et nous recevons presque chaque mois des lettres d'auteurs nous suppliant de les publier pour avoir simplement un avaloir de 1000 à 2000 euros et euh, ouais, pouvoir voilà, terminer l'année ou terminer le mois. À quoi nous leur répondons invariablement qu'ils doivent travailler avant d'écrire, ce qui me paraît une remarque de bon sens. Mais donc ce milieu se prolétarise, ce, ce milieu vit de plus en plus mal, et donc quand vous mettez, euh, mettez quatre ou cinq écrivains ensemble dans une pièce. <laughs> Bon, ils commencent par euh, échanger quelques euh, idées. Échanger quelques <laughs> idées. Et invariablement, ils parlent de leur droit d'auteur. Mais invariablement. Mmh. Et combien tu as eu de pourcentage Ah, très bien. Oui, c'est pas mal. <laughs> ben, pas moi, je n'ai pas eu ça. Tiens, mmh. je vais réclamer. Mais euh, au fond, il n'y a rien de rien de, de répréhensible. Euh, il faut rappeler que l'invention du droit d'auteur au XVIIe ou XVIIIe siècle, qui est une invention absolument géniale du point de vue de la liberté, s'est faite. Euh, en Angleterre et, et en France, notamment par Beaumarchais et ensuite Théophrase de Renaudot, s'est faite contre la pension. L'idée de pensionner les artistes, les, les oui, peintres, les, les travailleurs. Ils étaient entretenus par des par les mécènes avant. Oui, et, et donc, ils étaient entretenus par des mécènes et donc ils étaient dépendants, dépendants de la bonne volonté des mécènes. Et on voit bien, par exemple, que dans la correspondance de Jean de La Fontaine, euh, à quel point il était soucieux de continuer à percevoir euh, sa bourse, parce que c'est euh, de cela qu'il s'agissait, de la part de son bienfaiteur, parce que s'il l'avait perdu, il se retrouvait tout d'un coup au rang de, des, des, des manants et des serfs qui travaillaient pour lui euh, dans, dans sa maison. Et donc il y avait là une, une, vie, une nécessité vitale. À partir du moment où les écrivains, les, les poètes les, et les. Les, 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 ce les, a artistes. Appelé, les artistes sont euh, un peu publiés par, dans, de, dans des livres par des imprimeurs. Alors ils, ils font appel à un cercle de lecteurs qui est beaucoup plus vaste, qui n'est pas simplement les gens de la cour et leurs affidés, mais qui est le, justement ce que nous constituons tous aujourd'hui, c'est-à-dire le, le, le public, le grand public, l'opinion publique, qui elle va faire et défaire les réputations. Et, euh, et donc, la, la, la possibilité de, de pouvoir vendre des livres, de pouvoir vivre de ses pièces de théâtre, aujourd'hui de ses films, de sa musique, c'est effectivement un extraordinaire instrument d'émancipation. Parce que désormais, le tribunal de votre valeur, ça n'est pas le, le prince ou le roi. Qui, euh, qui va être tributaire de ses humeurs, mais ça va être justement l'écho le, le, que. que, que voilà, l'écho, le, le, le grand public cultivé, qui garde en France, et là je, je le répète, qui garde quand même une prééminence qu'on ne trouve pas beaucoup ailleurs, puisque les, les Français, là aussi, là aussi il faut quand même taper sur le pessimisme ambiant. Il y a 5 ou 6 ans, il y a 10 ans, on nous annonçait la mort du livre, mais ça n'est pas vrai! interroger les libraires, on n'a jamais vendu autant de livres. Sont-ils lus ou non, ça c'est une autre affaire. Hein, on peut acheter les livres, les stocker et les sortir un jour. Mais le livre garde en France une vitalité, un souffle, et euh, il reste un marqueur social ce qui n'a jamais été aux États-Unis, par exemple, où effectivement, quand les gens ont des bibliothèques, en général, ce sont des livres creux qui cachent des fioles de whisky, de Bourbon, <laughs> d'autres choses. Euh, mais euh, en revanche, oui, et ça c'est la, la, la grandeur de l'Europe quand même, c'est quand même ce que l'Europe doit garder vis-à-vis -vis de la civilisation nord-américaine, c'est quand même l'idée que nous sommes des héritiers d'une culture, que nous devons transmettre à nos enfants, et que si nous en, si nous, nous privons de ce socle, Absolument primordial. Nous deviendrons des euh, des, oui, des robots sans, sans racines et sans destination. Pourquoi euh, on va finir là-dessus Pourquoi le pessimisme français, qui est celui des Irakiens, il faut le rappeler. Quand on interroge les Français sur leur avenir collectif, parce que sur leur avenir personnel, ils sont plutôt euh, optimistes. Ils disent moi, je vais m'en tirer, ma famille, tout ça, on va, on va se débrouiller. Mais quand il s'agit d'imaginer le futur de leur pays ou de leur collectivité, de la, de la collectivité nationale, alors là, c'est catastrophique, je crois qu'on est au niveau des Irakiens, c'est quand même... Non, on est derrière les Irakiens et les Vietnamiens en termes de pessimisme ouais. historique. Alors vous avez raison, individuellement, les Français sont certains d'accéder au bonheur, en pensent qu'ils ont les moyens. Collectivement, non. Alors, il y a plusieurs explications. Je pense d'abord que le, la, la France, qui a joui d'une sorte de rente de situation entre les États-Unis et l'URSS sous le règne de De Gaulle, qui avait su, par un coup de génie véritablement, euh, nous euh, nous placer en situation d'éminence, bien que nous ayons perdu la guerre et que nous ayons été libérés en grande partie grâce aux Alliés. La France a perdu cette rente de situation avec la chute du mur en 1989. Et nous avons le sentiment, à tort ou à raison, de ne plus être les maîtres de notre destin. C'est-à-dire que notre destin est décidé à l'étranger, euh, mondial... soit par la mondialisation. Voilà. Euh, soit euh, que nous sommes, nous pâtissons de l'ombre écrasante de la réussite allemande. Le, le, le couple franco-allemand, bon, moi je m'y intéresse pour des raisons euh, personnelles et autobiographiques, le couple franco-allemand, c'est une histoire extraordinaire, depuis la défaite de 70 jusqu'au triomphe de Madame Merkel qui se permet d'accueillir un million de réfugiés en nous faisant la leçon. Effectivement, pour nous qui nous pensions comme. Euh, comme disent les Allemands, « Die große Nation »,« La grande nation », c'est un peu humiliant. Mais euh, euh, le pessimisme français, là encore, est très étrange, euh, parce que d'un côté, nous avons le sentiment que nous allons euh, vers, le, vers la fin, que c'est la fin de la civilisation française, que le modèle anglo-saxon, le modèle culturel est en train de nous tailler en pièces, que notre langue va mourir, tuée par les anglicismes, que notre industrie est en train de décliner, euh, que nous sommes envahis par des hordes d'immigrés, que l'islam radical va coloniser nos banlieues. Et donc il y a cette vision complètement noire que le progrès est en train de nous tuer. Euh, et que nous devrions revenir aux carrioles à cheval et, 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 et au, au topinambours qui, qui par parenthèse est un délicieux, puisque nous sommes en train de redécouvrir les, toute l'alimentation de, de, la, de la Seconde Guerre mondiale, mais simplement nous, nous, nous la redécouvrons comme un enrichissement euh, à notre alimentation ordinaire et non pas comme un substitut. C'est ça qu'il faut dire. Il faut enrichir la gamme des produits, mais non pas le supplanter les uns par les autres. Et donc cette vision... Euh, très noir de la France, à quoi s'ajoute l'idée que la classe politique est corrompue et que les euh, élites, euh, les élites. Que les élites sont, sont par nature euh, mauvaises. Mauvaise. Remarquons sur les élites juste une, un petit paradoxe. Euh, tout le monde a dit que la victoire de Trump, c'était la victoire du peuple contre les élites. Mais bon, enfin, qu'est-ce que c'est Trump sinon l'élite par excellence Donc, le, la critique anti-élite est toujours faite par des gens qui eux-mêmes appartiennent à l'élite et qui ont simplement envie de prendre la place des autres. C'est pousse-toi pousse de là que je m'y mette. Mais ce n'est pas du tout le peuple. Le peuple en tant que tel, c'est une fiction qui donne de la voix, mais dont personne ne peut véritablement déchiffrer les volontés. Et mettre un milliardaire à la Maison-Blanche comme représentant de la classe ouvrière, c'est quand même. Il quand même faut réfléchir cinq minutes avant de dire n'importe quoi. Pour revenir à la France, là encore, comme je le disais tout à l'heure sur l'argent, schizophrénie très profonde de nos compatriotes et de nous tous. Nous voyons l'avenir en sombre, contrairement à beaucoup de pays pauvres qui, eux, émergent de la misère et ont le sentiment, au contraire, qui vont accéder, leur appartient. Si, si vous allez au Brésil, même si le Brésil est en crise aujourd'hui, en Argentine, en Inde, en Chine, dans les dragons, des petits dragons des pays du Sud-Est, vous allez au Rwanda, vous allez au Botswana, vous allez au Ghana, dans tous ces pays africains, les gens ne sont pas du tout pessimistes. Vous savez pourquoi Parce que c'est un luxe qu'ils ne peuvent pas s'offrir. Ils n'ont pas le luxe d'être pessimistes. Eux, ils doivent lutter pour survivre. Et s'ils commencent à avoir des états d'âme ils vont mourir. Donc ils échappent de la misère. Et donc effectivement, cette, cette affliction généralisée qui est la nôtre, je trouve c'est un des, des traits les plus désolants de la vie intellectuelle aujourd'hui. Moi, je suis un moderne, j'aime la modernité, et je pense que nous vivons infiniment mieux qu'avant. Ceux qui vous disent c'était mieux avant, ils disent, ils disent une chose très simple et très touchante. Avant, j'étais jeune. Maintenant, je le suis moins. Donc forcément, <laughs> c'était plus sympa. Ben oui, moi aussi, je, je préférais avoir 30 ans et vivre en, 2000, en 2016. Mais bon, euh, il faut accepter que nous passions que le temps un jour et que, les, euh, et que les générations futures nous succèdent. Vous savez, il y a une très belle phrase de Thomas Mann dans les bro qui dit euh, « Il est normal qu'un homme d'un certain âge regarde son époque avec humeur. » Et oui, c'est une phrase magnifique, bien sûr Bien sûr qu'on est affligé de voir bientôt. Non, il n'y a pas que cette... ça quand même. Euh, non, il faut quand même. Les gens ont peur que leurs enfants vivent moins bien qu'eux. Voilà. Oui, bien sûr. Mais enfin, le, le, quand l même, l'enfant est souvent le prétexte à la <laughs> mauvaise humeur du parent. Mais juste pour la France et pour dire à quel point notre rapport, quand même, a, 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 a le, à la situation historique est complexe. Donc, d'un côté, vous avez ces gens qui euh, euh, voudraient freiner le temps et voient le. le L'avenir comme un gouffre qui va nous engloutir, mmh. et en même temps, de tous les pays européens, à, avec l'Irlande, la France est celui qui a le ton de fécondité oui. le plus oui. élevé. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire que d'une certaine manière, nous énonçons des propositions euh, qui, qui sont sans doute vraies pour nous, mais qui ne sont pas tout à fait vraies pour les générations futures, puisque euh, nous repeuplons les berceaux et nous déléguons à nos enfants l'espérance qui nous a quittés. Et ça, c'est tout à fait extraordinaire en France. La France est l'un des rares pays en Europe où l'on voit dans les rues de toutes les villes des pères et se promener avec leurs enfants, jouer avec eux dans les parcs. Il y a des, il y a des, des, des poussettes partout. Euh, cela veut quand même dire qu'une partie de notre psyché nationale croit profondément que l'avenir existe. existe et que demain ne sera pas pire qu'aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je ne désespère pas de la France, simplement je pense que la, 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 la classe politique française n'a peut-être pas trouvé le discours, le langage adapté à cette, euh, à cette mentalité. Il faut à la fois rassurer nos compatriotes, les protéger bien sûr, et, mais aussi... Euh, Offrir un horizon. Le, le, voilà, leur redonner le goût du risque et le redonner la confiance dans l'avenir. Sinon, sinon, effectivement, ce pays qui est incroyablement beau, incroyablement riche, doté de talents inouïs, va sombrer dans une morosité qui n'a aucune raison d'être, mais aucune raison d'être, et on peut le dire aujourd'hui, parce que c'est une période électorale et que nous avons changé de majorité et de président, ou de président, <laughs> et que donc, effectivement, là, c'est le moment de redémarrer sur des notions non pas utopiques ou naïves, mais sur des notions réalistes soyons réalistes nous sommes parmi les meilleurs en ce monde et c'est ce qu'il faut répéter à nos enfants et à nos petits enfants que nous en avons voilà voilà vous avez trouvé un Bruckner Le Bruckner qu'on aime bien. Il s'est trompé de temps en temps, qui ne l'a pas fait dans sa vie. Mais il apporte euh, voilà, une certaine euh, ouverture, de l'humour, de l'esprit et, et, et certains engagements dont chacun fera son miel ou non. Voilà. Merci encore d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et il va signer maintenant euh, derrière. Merci.